Salut à tous, c'est Kirito de Soldaton en France. On se retrouve aujourd'hui sur Alicia Senra's Incil pour vous faire la multi-invocation sur le nouveau portail de Shinon Solus. Donc Shinon en version DS, comme vous l'avez pu le voir dans l'anime War of Underworld. Voilà, excusez-moi pour mon anglais. Donc du coup, non, il n'y a pas d'événement plus, je voulais vérifier. Ici, donc, scout. Alors voilà. Donc ici, voilà. Donc nous avons une multi-invocation gratuite qu'on peut faire dessus. Ensuite, nous aurons bien sûr, après je crois que c'est 250, du coup, ça passe à 250. Mais on peut aller jusqu'au step 5 pour avoir un 4 étoiles garanti, même si c'est pas garanti, si c'est Shinon ou pas, je sais pas. Bon, je pense pas que j'irai jusqu'au step 5, mais ce qui est sûr, c'est que je vais utiliser pas mal de diamants là-dessus, quoi. Les cristaux de diamants, ils vont vraiment s'épuiser dessus. Je pense que je vais farmer encore, parce que j'ai encore plein de choses à farmer. Et je ne sais pas par contre si l'arme elle est aussi gratuite. Non, l'arme elle est juste à moitié prix. D'accord. Donc voilà. Avant de lancer cette invocation, pour ceux qui ne seraient pas au courant, même si je l'ai mis dans l'onglet communauté, j'ai ouvert un compte Instagram où vous pouvez me suivre. Puis vous pourrez aussi voir les invocations en avant-première. Donc c'est-à-dire que enfin, le résultat surtout, pas de vidéo. La vidéo, si vous voulez la voir, elle sera sur YouTube. Mais vous pourrez voir donc les résultats des invocations, même single, même celles que j'ai loupées, etc. Vous pourrez les retrouver sur mon Instagram que je remettrai dans la description juste après avoir tourné la vidéo. Une fois qu'elle sera publiée, je vous mettrai l'Instagram dans la description. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram pour voir un peu plus de contenu et puis aussi mes passions, parce que je ne vais pas parler que des SAO forcément. Donc il y aura aussi d'autres animes, mais bien sûr ce sera particulièrement SAO, mais pas que. Comme je suis fort fan des SAO forcément, comme vous devez le savoir, pour ceux qui me suivent sur YouTube. Donc du coup voilà. Donc bah écoutez, on va voir un peu ce que fait le personnage avant de pouvoir l'invoquer, on va voir si elle est vraiment, si elle a l'air vraiment pétée ou non. Hein. Donc elle a une charge assaut et un éance. Alors, en speed 304, c'est pas mal. C'est pas mal. Attaque magique 1920, 2170 d'attaque. On est plutôt pas mal. 675 de critique. Alors, détail de la charge. Attaque perçante sur un ennemi, taux de critique plus 10 sur soi-même. Deux tours et charge à volonté de 20%. Ok. Attaque perçante sur tous les ennemis fortes. Ok, attaque perçante supplémentaire faible sur un ennemi total sur un ennemi énorme. Ouais, d'accord. En fait, le fort et le faible, ça fait un dégât énorme sur un ennemi, en fait. Ok. Et Léance, c'est... Alors, attaque plus 20% sur soi-même et taux d'esquive plus 20% sur deux tours. Donc, ça m'a l'air pas trop mal. Et puis, la compétence de volonté, Judgment Ray. Attaque personne de volonté sur tous les ennemis, résistance physique, moins 10% sur l'ennemi pendant un tour. Ça m'a l'air pas trop mal. Je pense que cette Shinon va être ultra utilisée actuellement dans le PvP où c'est l'élément lumière qui est mis en valeur cette semaine. Donc ça va être vraiment pas mal. Et son arc qui fait 824 d'attaque et 762 attaque magique. Ok, donc on y va. Première invocation gratuite. Si on se loupe, on aura le droit encore une chance à 250. Et après, il faudra que je récolte. Mais on pourra refaire une si je me loupe. Alors, en espérant que j'ai de la chance, que sur Fanacho et Dakira, j'avais pas eu de chance. Donc, peut-être que là, la chance va revenir. On va voir. Allez. Dis-moi que je vais avoir de la chance. Allez. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être test, que le tout touche écran n'est pas bleu. Maintenant, à voir si dans les bulles vont me suivre ou non. C'est moyen, à voir si ça grandit ou pas. Il n'y a pas de... Ah, ça grandit, oui, pas mal.
Ça veut pas dire, on est kiff-kiff. Il est pas violé, mais on n'est pas à l'abri. On va dire qu'on n'est pas à l'abri. Mais ça sent plus le 3 étoiles que le 4 étoiles quand même. Toujours rien pour l'instant. Non, encore un 3 étoiles. Ah, je pense qu'il n'y en aura pas. Ouais, elle sera pas sur la gratuite, tant pis. Ouais. C'était que les 3 étoiles. Ah! Ah si, un inédit supplémentaire. Donc il y avait bien une petite 4 étoiles. Donc petit screen. Ok. De la 4 étoiles. Mais bon, pour une gratuite, on va dire que c'est pas négligeable. Donc je reprends même un petit screen de la chance ici. Voilà. Ok. Donc une 10 supplémentaire. Bon, ma 10 est déjà level 100. Où je vais mettre les darks, peut-être sur mon Kirito pour que ce soit level 100. Comme ça fera 2 level 100. Je sais pas. Donc, bah écoutez, deuxième chance. Hein, on va retenter. Allez, deuxième chance. Et puis après, on fera l'arme. Et après, je récolterai pour vous refaire une. Allez, en espérant que la deuxième chance soit la bonne. Ah, il n'y a pas de bleu là. Est-ce que l'incubateur va suivre? Bah, comme tout à l'heure, un peu grand, mitigé. Ah, là, ça n'a pas l'air de grandir. Ah, que dalle. Il va y avoir que dalle. 3 étoiles. Bon, on n'est pas à l'abri, mais généralement, c'est que dalle. Quand il y a du genre, ce genre de choses-là. Ouais. Pas très chanceux sur celui-là. Ok. Bon, tant pis pour celui-là. On se fait quand même la step à 75 armes hein, pour terminer. Bon, en espérant de choper l'arc, comme ça me permettra de me concentrer que sur le personnage. Parce qu'il a l'air vraiment pas mal le personnage. Donc en espérant que je chope l'arc. Bah, touche écran marron. L'épée du Géo, c'est pas très bon ça. Donc il y a un 3 étoiles minimum. Mais ça a pas l'air très bon. Ah, ça sent mauvais. Pas l'air d'avoir d'arc en vue. Ah si, si, bien, super. Comme ça, on peut se concentrer sur ce qu'on appelle le personnage pour récolter les 250 tranquilles pour pouvoir aller au step 3. Peut-être que finalement, j'aurai assez de... Qu'on appelle ça ? Assez de diamants pour aller jusqu'au step 5, parce qu'il me reste encore tout le nouveau, la nouvelle cathédrale, l'événement d'Akira, qu'on appelle ça, d'Akira Fanatio, voilà. Donc il y a quand même encore, oula, il y a une bonne nuée de 3 étoiles là. Ok, donc au moins j'ai l'arme. J'ai l'arme à la première multi, ça c'est bien. Ok, donc ça me manque, donc il faudra que je récolte donc du coup les 200 MD plus ou moins qui manquent. Et puis on refera donc une nouvelle vidéo là-dessus pour essayer d'avoir le personnage. Donc là on est à l'étape 3. Ok, alors ici, pourquoi j'ai mis sur recréer 400 personnages, 3, ok. Ça fait déjà 3 de récupérer comme on dit. Cadeau, tout accepté. Bon, ça je peux pas le récupérer maintenant. On peut vendre des choses déjà. Bon, tout ce qui est ça et ça, je crois que je vais vendre. Tac, tic, tac. Tac,
Tac, tac. Tac, tac. Ok. Bon, en soi, des mauvaises multis que j'ai fait, enfin, mis à part une où on n'a rien eu, c'est la 250. Mais à la gratuite, on a quand même eu un doublon de E10. Et puis, la première multi-arme, l'arme de Shinon. Donc, on est plutôt pas mal en soi. C'est pas comme si j'étais revenu sans rien. Voilà. Donc, du coup, en Dark, j'ai que le Kirito à monter. Donc, du coup, je crois que je vais monter mon Kirito level 100. Je crois que je vais faire ça. Comme ça sera déjà fait. Mais non. Ah, si, voilà, j'allais dire. Pourquoi il me remet en arrière? Alors, ici, déchaînement. Hop, ici. Voilà, comme ça c'est fait. Ok, super. Je vais juste enlever la caméra pour faire le screen qui sera plus joli pour le level 100. Voilà. Et donc, voilà. Est-ce que je peux l'améliorer jusqu'au bout? Je pense, oui. Voilà, level 100, nickel. Ok, voilà. Ici, on peut même. Ouais, j'ai même assez pour mettre ces trucs-là. Hop, voilà. Comme ça, il est monté au maximum. Le Kirito est fait. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous laisse là. C'était Kirito. Et je vous retrouve donc, du coup, dans une autre vidéo, probablement sur la Shinan Solus. Parce que je la veux absolument. Surtout que maintenant que j'ai l'arc, ça me botte encore plus de l'avoir, du coup. Parce que l'arc, il va me servir à rien si je l'ai, parce que c'est la seule personnage lumière avec l'arc. Mais voilà. Donc, c'était Kirito, à la prochaine, salut!